Je redoute. Hein. Y'a pas de quoi. Moi je te tiens. Hein? Ah ouais, si j'ai plus de jambes, j'ai plus de jambes. Hein. Salut, c'est le second souffle alpin. De retour pour une nouvelle vidéo d'alpinisme. On est en direction du refuge d'Argentière. Là, on est à peu près à mi-chemin. Ça fait 2 heures de montée. Et puis là, on arrive au pied du glacier, juste derrière le glacier d'Argentière. Et l'objectif, c'est de faire la pointe d'Argentière par sa voie normale, le glacier du milieu, qui culmine à 3901 mètres, exactement. C'est déjà ça. Enfin, toujours dans la bonne humeur et en forme? Non, en fait, pas du tout. Moi, je suis malade depuis 2 jours. Déjà, au début, j'étais tenté de faire demi-tour. Là, on va voir jusqu'au refuge. On verra demain matin et selon la nuit. Rien n'est gagné. Rien n'est gagné, ouais. C'est pas top top. Voilà. Allez, c'est parti. Là, on va descendre sur le glacier, on va longer sur la droite, et puis après, il y aura une partie en échelle pour remonter. Parce que un peu plus loin, c'est vachement crevassé, donc en fait, ça te fait remonter pour redescendre après sur le glacier. Donc là, on a encore un peu de marche. Hein. Mais on s'est équipé, on s'encadrera après, et les crampons aussi, ça sera plus tard. Allez, c'est parti pour une longue marche blanche. Direction le refuge, dernière étape, droit devant. Objectif pas encore en vue. Enfin, les traces de quoi? Italiens? Ils sont quoi? Devant? Sûrement des Italiens. Derrière nous, un groupe de jeunes foufous français. Donc il y aura du monde au refuge. Attends, tout était complet ce week-end. Ça risque d'être animé ce soir. Là on est bien. Il est 13h20, j'avais planifié une arrivée pour 15h. Je pense que on va arriver nickel. Le repas est servi à 18h. Mais c'est quand même bien de prendre le temps après de se poser, de faire sécher les vêtements. Et puis bon voilà, plus on arrive tôt, plus on peut profiter de se reposer et profiter de l'ambiance. C'est ça la montagne, l'ambiance dans les refuges, c'est toujours sympa. Ouais. Ah, et on perd des mouchoirs, c'est bien d'avoir quelqu'un derrière. Tant que c'est des mouchoirs. Oh, donc allez, on avance tout droit. Et bientôt la lassitude. Les cailloux, on entend les cailloux qui tombent. C'est pour ça les gens, remontez-en le maximum possible à chaque fois. Faites une sortie en montagne, c'est important. Sinon un jour il n'y aura plus de montagne. Un petit caillou dans la poche. Il faut vous préciser ou pas que c'est du second degré là. On commence à dire de la merde. Parce que c'est ennuyant la remontée sur les glaciers. Oui, on devine l'aiguille verte. Non, ah non, non, en face, pas du tout. C'est... je sais pas. Là on est au passage où normalement on a les échelles, je sais pas si on voit sur les caméras, il y a un gros point jaune avec les échelles juste en face là dans l'axe. Et normalement c'est l'itinéraire indiqué sur IGN et c'est ce qui est écrit sur les topos. Mais toute la trace fait remonter vers la gauche. Donc je viens d'appeler le refuge, le gardien m'a dit qu'au final c'était aussi compliqué par les échelles que par le glacier. Parce qu'en fait faut savoir que le glacier là, il fait pas mal de cassures parce qu'il y a des tournants. Et chaque virage sur le glacier, en gros, ça fait énormément craquer la glace, donc ça fait des grosses crevasses. Le gardien vient de me dire que non, la plupart passent par la gauche en s'encordant. Il y a des bons ponts de neige, donc ça se passe plutôt bien, mais il faut passer maintenant, à ce qu'il m'a dit. Parce que pourquoi pas prendre les échelles? Bon, c'est qu'en fait, il y a plein de rochers au-dessus. Donc c'est un autre risque. Moi, honnêtement, je préfère les crevasses. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Nini, mais je trouve qu'on a plus de possibilités d'action dessus. Pour enrayer une chute, pour remonter. Alors que là, chute de pierre, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est assez mortel. Là, on tourne ça. On est mi-juin. En milieu de saison, milieu d'été, le passage qu'on va prendre avec la neige qui aura fondu, ça m'étonnerait que ce soit encore praticable. Donc là, effectivement, les gens passeront par les échelles. Là, on voit bien l'aiguille verte. Hein. Ah là là, par contre, l'arrimée, ça doit pas être facile à passer. Hein. Petite pensée pour ceux qui se sont tués malheureusement il y a quelques semaines. Deux skieurs, un par le cordier, un autre par le couturier. Ils ont chuté en ski à la descente. Et puis de l'autre côté, un guide, un ancien du PGHM avec son client, malheureusement aussi, à la descente. L'aiguille verte, en ce moment, c'est pas foufou. Mm.
Alors. T'as révisé ou pas? J'ai pas eu le temps. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois que t'as pas fait de chaise? Doucement. Comme ça? Ouais. Ok. Je prends ça. C'est bon? Ouais. Ah, c'est le jeu, hein! C'est pas grave! Ah, ça fait 3 fois qu'elle tombe dans une crevasse au niveau de la hanche, donc. Alors. Là, il y en a une belle. Wow! Léger! Très léger! Et bon. Poser le pied doucement, pas faire d'un coup. Et avancer, pas rester dessus. Et ça passe. Ça va? Ouais, ça va? Ouais. Ça avance pas. C'est long, hein? On voit le refuge là. Allez, un petit quart d'heure. Fou là. Je me souviens qu'on a une super vue. Sur les cours. Les droites. Les vies vertes. Tout glacier. Il est gigantesque. Et voilà, le refuge d'Argentière. Oui. Ah ouais. Je t'en bisous. Bah, toute collante. Yes. 2700, combien? 771. C'est beau. Et c'est parti nuit. Ouais. Pour l'aiguille d'Argentière. Je sais pas si on arrive à voir, mais on voit 2 points lumineux dans le couturier, 2 cordées. Ils ont mangé à notre table, il y avait 2 Espagnols et 2 Français. Et là, il en reste quand même un bon bout, hein. Ils sont partis à 1h30. Il est 5h, ils sont même pas à la moitié. En termes de risque de crevasse, c'est assez limité. Le gendarme, lui, il est assez impressionnant. Il demande comment il est arrivé ici, quoi. Là, tout en haut, juste en face. Bon, bah, on n'a pas froid, hein. On voit le sommet, tu vois le col au milieu. Et ben à droite t'as du rocher. On monte le col et après on suit l'arête. Inspire, expire, inspire, expire. Ouh ça. Et on arrive à l'arrivée. Ouais, facile à passer là. Impec. On va faire où? C'est là. C'est compliqué sur les ponts de neige, hein. Bah oui. Il donne pas envie celui-là. Bah non, toujours à travers. Bon d'accord. T'as qu'il vaut mieux faire 10 mètres de plus. Ça trop fou quand même. Peut-être pas loin de 10 mètres. Impec. J'ai entendu croquer quand même. On va aller tranquille maintenant. Ça va? Tu subis? Des sorties skidrono aussi qui t'ont permis de pousser un peu climaté. Peut-être aussi un peu, ouais. Voilà, comme ça là, on est super safe. Les marches sont énormes. Et tu vas trop vite. Vas-y, tranquille. Vas-y, relâche-toi, c'est bon. Ah. Dès que c'est tendu, là, c'est bon. Tu y arrives? Ça va là?
Je tire ? Sur la dalle, ouais, comme ça. Ça va tenir. Je tire. Hein. C'est bon là ? C'est bien ? Ouais. Bon. Facile ce passage. Hein? Attends. Bah, j'ai pas trop de points là. Ok, vas-y. De toute façon, le rocher il tient pas. Ouais, super, on y est bientôt là. Je vois le col. Vas-y, mets-toi debout dessus. On va être bien. Vas-y. Attends. Hein? Attends. Ouh. Oh punaise. Sympa à traverser, bien joué. Allez, là après il y a le col. C'est moins raide là. On a rejoint le couloir principal. Allez, on est presque au col. Saute les marches. Ouais. On va bien faire attention aux corniches. Et le paysage qui se découvre à nous. Sérieux? Ça va? Ouais. On peut y aller? Oui. C'est bon? Oui. On y va tranquille, là c'est un peu raide. On y est ? Ouais. Allez. Allez, monte. Allez, c'est juste là. Je redoute, hein. Y'a pas de quoi ? Moi, je te tiens. Hein ? Ouais, si j'ai plus dur, j'ai plus dur, hein. On va y aller tranquille. On n'est pas pressé. On y va? Allez, il reste 10 mètres. On fait? On y va? L'aiguille d'Argentière, on y est. Yeah. C'est ça le sommet? Ouais. Quand tu sais. Parce que c'est le plus haut. Wouhou. 3901 mètres, l'aiguille d'Argentière, on l'a fait, yeah. Je suis fatigué mais carrié. Hein. Non, c'était pas si facile que ça. Faut pas sous-estimer au final, même des courses qui sont côté PD+. Le cœur il prend un coup. Ah, je suis bien, mieux qu'hier. Ouais. Ah, il doit y avoir du monde au Chardonnay là. Petit tour d'horizon. En plus, il n'y a pas de vent. Donc là, on est à la frontière suisse. Exactement.
Suisse, oui, Suisse. J'ai toujours un doute entre Suisse et Italie, mais c'est Suisse là. Mais il fait pas froid en tout cas. Non. Là au soleil, on est bien. Avec le Mont Blanc tout là-bas, tout au fond. Les grandes jorasses là-bas. On voit les drues. Ah là c'est beau, hein. T'as l'impression que tout est au ralenti, tout est figé. Il n'y a pas d'humain ici. Et en plus on est tout seul au sommet. J'ai entendu quelqu'un mentionner le couloir en Y. C'est un autre couloir qui passe de l'autre côté. Ah mais si, en face. En face vous avez une cordée. On est bien là. Il manque juste un décollage en parapente et on serait vraiment aux anges. Non, non, allez, on se déconcentre pas. Ouais, ça se descend bien. Ouais, un pec. 17 km. Oula, beaucoup. Par la porte ? On va éviter. Attends, j'ai de la longueur. Bouge pas. Ok, vas-y. Vas-y. Hein ? Ouais. Oh les, bah heureusement qu'il y a personne, hein. Ouais, ouais. Putain, pas évident. C'est bon ? Ouais. Pas de crampons ici. Bonjour. Très bonjour. Tu vois, il était là. Ok, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Nini, je vais arriver au bout là. Ah ! Ouais, c'est le mollet qui est fébrile. Ah, le mollet qui enhule. Ouais, ça. J'ai un peu chaud. Allez. Ah, y a un petit caillou qui t'a frôlé. Lève les pieds. Oui, nos chaussures sont bien là. Voilà, on vient de finir de descendre le glacier du milieu pour rejoindre le glacier d'Argentière, allez, terre du milieu. Chemin inverse, par là. Ouais, non, ça se pète la gueule.
Bon, et vous, vous allez marcher où les week-ends? Il y a un peu moins de monde ici, on va dire. C'est les avantages. Un petit coup de mouche-mouche et puis c'est bon. C'est hyper long. C'est infini. Oh là là. Ça me saoule. J'ai juste pris une deuxième part hier, c'est pas grave. C'est bon. Le brownie au chocolat est passé.